Hé la grosse, qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas ta robe de Noël? Non, hein? On va faire le sapin? Ils sont où tes copains? Ils sont là? Ils sont là les copains de Loulou? Ouais, directement dans la gamelle. Non, les copains, c'est-à-dire les croquettes? Toujours sentir le cucu, hein? Tu sens toujours le cucu des gens, toi? Avec la musique de Noël, attention, compilation, Merry Christmas, 50 titres. Bon, on va monter notre sapin qui est ici, et je vais, comme chaque année, faire ma table. Bon, là, c'est plus la même table que l'année dernière, puisque c'est la table familiale de chez mon chéri. Donc je vais devoir virer tout ce qu'il y a ici, c'est le boxon, hein, comme vous pouvez voir. Ma fameuse planche à repasser que vous voyez toujours dans mes vidéos. On va s'occuper des devants de cheminée. Ici, j'ai déjà déblayé. Et il y a la petite merdeuse ici, qui joue avec le petit, sa petite victime, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses tranquille? Pourquoi tu as tiré comme ça? Papa il mange? Ouais bah oui. Et ici donc on a tout ce qui est pour Noël, hein, le truc pour cacher, mais en fait le pied de sapin est toujours trop grand donc c'est toujours bancal, on s'en fout. Les boules de Noël, et les guirlandes et puis voilà. Ça va pas enregistrer, je suis un sapin. Et ça prend forme. Il n'y a pas tous tes numéros et toutes tes branches. T'as vu le sapin Loulou? Il prend forme? Et nous on a grosse technique ici, attention, bon c'est pas le bar, hein. Mais c'est que comme c'est un faux sapin, eh bien du coup on prend ça, Room Fragrance, parfum d'ambiance, sapin Noël. Et je peux vous jurer que franchement ça sent super bien, ça sent hyper bon le Noël et tout donc voilà. Oui regardez pas maison, ils ont toujours pas fait, ça fait 2 semaines, c'est honteux. Et on a quoi? Les travaux de Noël. Étape cruciale, nous avons réussi à mettre toutes les branches. Il faut juste qu'on descende celle-ci maintenant, comme vous pouvez voir. Et nous avons fini notre sapin de Noël. Bon, c'est pas vrai, mais les épines tombent quand même. Hein. On sait pas ce qui arrive. Donc là, on va mettre la neige. La main de l'homme. Voilà, on va mettre la neige. Enfin, bon, vous avez reconnu que c'était pas ma main, hein, qui n'est pas manicurée. Regardez. Ouh. Ah, j'ai 2 ans dans ma tête, hein. Je vous le dis. Ouais. Les bonheurs simples de la vie. La galère de lumière. Chaque année. Ouais, on va essayer de vous montrer un petit peu. On n'a pas remis le truc blanc en bas. Boulet d'or. Voilà, là il a les lumières. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Oui, il nous raconte une histoire à la télé, en anglais. Voilà. L'étape cruciale des guirlandes aussi, c'est pas évident d'avoir un truc hyper homogène. On va essayer de faire comme on pouvait. On aurait voulu des lumières blanches mais on n'en avait pas donc cette année parce que nous il est blanc et bleu glacial. Mais on a encore zappé de prendre des lumières complètement blanches. Là-bas regardez dans la famille Eskimo qui c'est qu'il y a. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèches la patte en loose day là? Regarde même pas le sapin, vilaine. T'as vu le sapin? Donc voilà, là, on a mis les décorations. Je sais pas si vous allez bien les voir. Alors, il peut vous paraître hyper chargé comme ça, mais je vous assure qu'il est vraiment très joli. Donc vous avez des petits détails ici. Ici, vous avez ma petite danseuse. Quelques petits flocons, mes boules préférées ce sont celles-ci. Après j'ai fait des petits nœuds moi-même, comme vous voyez là-haut. Et voilà un petit peu les décorations. Donc nous on reste dans le blanc, le bleu glacial, mais c'est vrai qu'avec les couleurs du coup ben, ça fait pas un truc hyper homogène quoi. Et ici c'est la catastrophe, regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez ça mais... Tu regardes ton père en train de faire un selfie. Ah là là, mais quel bordel ici, dis donc en fait. Hein? C'est toi qui as fait tout ça, Loulou? C'est toi qui as mis le boxon? Non, c'est pas moi! C'est toi, gros cul! Et là, je vais faire ma table de Noël, je vais la commencer. Et en fait, je me suis aperçue que mes boules, que j'avais achetées l'année dernière chez Carrefour, en fait, c'est des marques, c'est des boules, mais plates. Je sais pas si vous allez voir, mais elles sont complètement plates. Et en fait, c'est pour les poser, donc je vais les mettre sur ma table cette année. Et voilà. Mais voilà. Par contre en bas on a oublié de remettre le fameux truc blanc. Donc je vais mettre hey, petit carnet. Je vais mettre du papier et puis on va mettre la famille pingouin et tout ça. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble le boxon de la maison là maintenant. Pom, 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 pom. Ah oui, et j'ai des nouvelles boules cette année. Enfin 2 nouvelles boules.
Ce sont celles-ci. Celles-ci que j'ai achetées chez Emma. Et en fait, dedans, vous avez des espèces de petites billes brillantes. Elles étaient vendues par deux, elles sont en vert et je trouve ça joli. Dans la famille des pingouins, je voudrais... T'es avec tous tes potes ? Ouais, t'es avec tous tes potes ! Voilà, j'ai terminé ma table de Noël. Donc comme chaque année, vous savez, voilà, je mets toujours un chemin de table, mais cette année j'en ai mis un. Je pense que vous allez voir un petit peu plus brillant que les autres fois. J'ai acheté ça chez Action il y a un petit moment déjà. Puis j'ai remis mes photos forts. Ici vous avez un petit peu plus de cannes de Noël cette année. Des petites boules. Sinon je reprends toujours les mêmes bases. Hein. Vous connaissez mon centre de table, ça doit faire 2 ans que je l'ai maintenant. J'ai essayé d'un petit peu moins chargé que d'habitude et j'ai mis les photos forts sur les côtés. Donc voilà. Voilà ce que donne la table en tant que telle, on va dire. Vous voyez. Et je trouve ça très joli. Enfin voilà. Moi je suis très vieillicole. Et là vous avez le sapin. Du coup, voilà. Avec tous les petits trucs en bas. Il y a déjà les calés. Donc voilà. Ici on a un petit chien. Ça va Lolo? Et alors ici on a fait le petit coin de Luna, c'est là où elle mange. Donc là on lui a mis des petits cœurs avec ses petites guirlandes et puis voilà, au-dessus on a mis comme ça. Voilà. Bon, je vais les claquer. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais vous mettre une vue maintenant éteinte. Bon ici vous verrez rien. Un petit peu plus loin le sapin. Voilà. Et là-bas aussi j'ai mis... Là-bas aussi, j'ai mis quelques petites lumières. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'elles sont là, celles-là, par contre. Voilà. Et ici, j'ai un bordel phénoménal, mais c'était juste pour vous montrer. M'a mis une guirlande de Noël pour devant mon iMac pour quand je travaille. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. C'est vrai que ça fait un petit peu ambiance de Noël. C'est un peu le bordel, c'est un peu beaucoup le bordel sur mon bureau. Mais voilà. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi le chien des enfers de Noël. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je te vois pas faire? Non mais j'ai rien fait du tout moi. Regardez les gens, je suis gentille. T'es gentille toi. Hein? Voilà mon petit coin Noël maintenant là-bas. Tout tranquille, il va peut-être falloir que je range ma chambre par contre parce que c'est un peu genre trop le bordel. Mais voilà...